Église du christianisme céleste, paroisse Alpha Omega de Corono. La chorale immaculée, en ce jour d'effusion du Saint-Esprit, chante l'Esprit Saint en Yoruba, Emimimo, qui est en Gun, Bigbawiwe. Justement, c'est par Bigbawiwe que le commun des Béninois du Sud désigne les fidèles de cette église fondée il y a 70 ans par son révérend pasteur prophète Samuel Bilou Joseph Oshofa. Papa Oshofa, quand l'Esprit est descendu sur lui, Jésus lui a dit, je te donne l'ordre. Il faut fonder l'église du christianisme céleste, pratiquement africaine et dahoméenne avant de devenir béninoise. Et maintenant, c'est devenu universel. Universelle église. Ici, à la paroisse d'Akosombo, le collège des grands devanciers réfléchit sur ce que chaque fidèle fait du Saint-Esprit offert par Dieu. Dieu, lui, il est miséricordieux, il a donné le Saint-Esprit à tout le monde. On a prié intensivement pendant 7 jours sur nos différentes paroisses. C'est bien. Maintenant, les fruits du Saint-Esprit, c'est ça qu'on voit dans Galates 5, à partir du verset 20. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Joie et paix sont ici chantés par la chorale El Moïdja Saint-Maurice d'Akosombo. Une joie qu'on retrouve chez la chorale, la voix de l'Éden. Nous sommes sur la paroisse de Kadjéon. La fête de la descente du Saint-Esprit, c'est en ce moment-là que les gens constatent que un fou peut parler bariba sans être bariba. Un fou peut parler aoussa sans être aoussa. Dans l'église du christianisme, nous avons les dons des langues. Comme don offert pour cette Pentecôte, une bénédiction spéciale, ubi et orbi. Que la paix soit et demeure sur tout un chacun de vous. Amen.